tout. Pour toi, j'attendrai encore. C'est pas facile, mais quand on est motivé à vouloir s'unir, il n'y a pas de souci. On trouve la force. Et après, on a des familles aussi. Moi. Pour toi, je me suis décidé. Pour toi, je m'éloigne de tout. J'ai tout fait de ma vie. J'ai pas encore aujourd'hui. J'ai plus besoin de rien. J'ai plus de limites. Avec toi, j'ai mal à la crainte. Ça a ressenti, exactement. Ça, c'est pas. Peut-être nous, dans ce profond, il a ouvert à l'inverse. Jésus m'a donné. Quand il s'agit de vivre avec les gens, quand il s'agit de cohabiter avec une femme, il faut s'adapter. À ceux qui ont fait mal à mon cœur, grâce à toi. Je les ai oubliés. Tu as su. Je me suis marié aujourd'hui, pour la première fois et pour la dernière. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Nous, on a eu du vécu, ça nous a construit, on est aujourd'hui mature. Je viens te dire, je t'aime, voilà. Je t'aime, j'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime, chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime. Ma boya, Bobi, Misa, Maramou, les Kakala, Salam, en confiance. Je t'aime comme un enfant. Thank you.
forgot and never brought to mind. Should old acquaintance be forgot and old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. And chargé, parce que ce matin on a fait un double baptême républicain. Ah oui. Deux dans la foulée, et aujourd'hui, un premier mariage. Voilà. Du mariage de Ange Aristide Bandila avec Anne-Laure Arlette Marguerite Rio. Mm-hmm. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Très bien. Donc on saute quatre lignes. Les articles 212, 213, 214, 215... Mm-hmm. Et 371-1 du Code civil. Alors, article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Donc ça, c'était 212 et 213. 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. 214. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou à l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Non, il manque pas. Monsieur Ange Aristide Bandila, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Anne-Laure Arlette Marguerite Rio, ici présente? Oui, je le veux. Très bien. Madame Anne-Laure Arlette Marguerite Trio, consentez-vous à prendre pour époux M. Ange Aristide Bandila, ici présent? Oui, je le veux. Okay. Eh bien, au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Publiquement à la maison commune, Ange Aristide Bandila, né à Brazzaville au Congo le 12 juin 1980, domicilié à Saint-Lyé-la-Forêt dans le Loiret, 181 A chemin du Grillon, fils de Étienne Bandila décédé et de Jeanne-Elisabeth Ngoussou, retraité domicilié à Brazzaville au Congo, 7 rue Polo Bouna, quartier de la base, et Anne-Laure Arlette Marguerite Rio, adjointe administrative, née à Neuville-aux-Bois, dans le Loiret, le 4 juin 1978, domiciliée à Saint-Lyé-la-Forêt, dans le Loiret, 181 A chemin du Grillon, fille de Gérard Yves Claude Rio, retraité, et de Martine Anne-Marie Giraud, retraitée, domiciliée à Courcy-aux-Loges, dans le Loiret, 20 Le Brousillon. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'avait pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons annoncé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Vincent Yves
Perron, ingénieur système, domicilié à Cesson-Sévigné, dans l'Ille-et-Vilaine, 10 rue des Saules, de Wenceslas Bakoua Tanta, technicien automaticien, domicilié à Blois dans le Loir-et-Cher, 15G rue Jean-Baptiste Charcot, de Angélique Nadia Kachka, épouse Waha, mère au foyer, domicilié à Saint-Lyé-la-Forêt dans le Loiret, 7 bis rue de l'Enfer, et de Colette Isabelle Françoise Bablé, auxiliaire de vie, domiciliée à Saint-Lyé-la-Forêt dans le Loiret, 181 des chemins du Grillon, témoin majeur, lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Jacques Van Ben. Alors, dites-nous comment est-ce que ça s'est arrivé, la première rencontre. Oula. On va pas en parler. Personnel. Il est réservé alors. C'est quoi votre secret? Qu'est-ce qui fait la force de votre... La maturité. C'est ça. En grandissant avec du vécu, c'est un peu ça. Hein. On prend d'autres décisions. Je sens vraiment l'amour entre dans votre couple. Hein. Ah ça s'est lié, hein. Ça s'est lié. C'est pour la vie. C'est mon ça, premier mariage. Je t'aime.
j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi, on franchit une miraille. L'assurance, Jésus m'a donné. Pour toi, je rendrai pas les mains à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su rejure mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime d'être mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je viens te dire, je t'aime, j'ai pas trouvé d'autres mots, je t'aime, chérie, tu m'as pris mon cœur, je t'aime, m'aboya, fobimisa, maramwele, kakala, salana, confiance, je t'aime comme un enfant, je t'aime et toutes mes forces. Je t'aime, Dieu connaît mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je t'aime comme une rose. Je t'aime, mon adoré. D'ailleurs, voilà, que tout se passe bien. Et plein de projets dans la vie. Voilà. Bisous, bisous, félicitations au couple, au jeune mari. On vous aime. Premier jour, je t'aime, je suis sincère. Je t'aime, j'ai peur de te perdre. Jésus, l'arbre, sans lui on sèche. Je t'aime comme une victoire. Je t'aime de toutes mes forces. Je t'aime. Je rendrai pas les mal à ceux qui
ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su rejurer mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Merci d'être arrivé dans la vie d'Anne-Laure. Tu es arrivé tel un ange. Alors excuse-moi pour le jeu de mots. Oui, oui, car depuis cette rencontre, Anne-Laure brille de 1000 étoiles. Tu es devenue sa drogue. Anne-Laure, depuis que je... Non. Anne-Laure, que je connais depuis quelques années, je peux vous dire que depuis, je suis la plus fière que cette dame soit entrée dans ma vie. Car vraiment, Anne-Laure, tu es une très belle personne. C'est avec beaucoup d'émotion que je te dis que tu fais partie du clan de ma famille, car tu es plus qu'une amie, ma sœur, ma fille. Enfin, tu es tout. À vous deux, je vous souhaite des moments mémorables, remplis d'amour, des années de bonheur. À toujours. Merci. Bravo. Avec toi, j'ai plus de limites. Avec toi, j'ai banni la crainte. Avec toi, on franchit une miraille. L'assurance, Jésus m'a donné. Pour toi, je rendrai pas les mal à ceux qui ont fait mal à mon cœur. Grâce à toi, je les ai oubliés. Tu as su rejurer mon cœur. Je t'aime comme un enfant. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, tu connais mon cœur. Il nous soutient, restons ensemble. Je viens te dire, je t'aime, je t'aime. Allez, danse. Danse. C'est le jour du mariage. Mon frère, mon ami, danse bien. Et pendant que tu danses, tu peux souhaiter bonne chance à celui qui attend encore. Bonne chance. Toi qui espères, bonne chance. Célibataire, bonne chance. Tu attends encore, bonne chance. Un bon matin, Mato il m'en a bouché.
tant que au posomate au sala rituel traditionnel pour le banana c'est qui suit sur les noyaux et sa lumière soleil de mon cœur aux alis affirma qui pour la pimata à la parabouda chandal qui zaza solo nana et belle sinisite dans mon figo proposition. Allez, promet. Fais du bruit là. Oh, oh, oh. Matin, midi, soir, Alain Barabouda. Médecin à Comé Lima. Ici, c'est mon corps. On fait un zotonaïo. Matin, midi, soir, Alain Barabouda. Le prince de Djibouti, Patrick Bologna, Outien Merveille. Euro dans l'ombre, Riva Menga. Alain Barakuda. Terminator, le grand Canadien. Lodé Maemba, Anderson Aimé. Ali Nokizasa, le président de tous les beaux garçons. La perle rare, Nadine Jeunet. Tu préfères Corbière et comique cautionné n'a pas pensé n'a pas. Zonelana, allez, Barakuda, reviens à moi, chérie, n'a croisé. Otikana, n'a moko isolé. Ah ouais? Tata missionnaire, tes services, je sais que Kuna Bambana. Yeah.
mais je te désire au plus profond de moi. J'ai soif de ta présence. Comble-moi de toi, mon âme te réclame. Viens Jésus en moi, partageons Seigneur les instants les plus forts d'amour. Je veux passer toutes mes nuits à ta recherche, Seigneur. Ton amour brûle en moi. Tu as conquis mon cœur, serre-moi dans tes bras. Dis-moi un mot d'amour et partageons, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. Mon vœu le plus ardent, d'habiter ta cour, contempler ta beauté, exhaler tes parfums, nager à l'océan de ton amour divin et partager, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Rien n'est bon dans ce monde si ce n'est te connaître. Ton amour nous inonde. Nous te suivrons, bon maître, toujours à tes côtés. Pour chaque jour renaître et partager, Seigneur, les instants les plus forts d'amour. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Oh, quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi. Mes instants les plus précieux sont ceux que je passe avec toi. Mes moments les plus douloureux sont lorsque je me réjouis en toi. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Arrêtez. Ah, c'est pas.
À mon ami d'enfance Ange Bondila, je suis fier de toi. Bienvenue dans le club des doyens. Vraiment bienvenue, je souhaite tout le bonheur aux mariés. On est ensemble et on va bénir le mariage. Je bénis le mariage, monsieur Ange. Et vous êtes monsieur? Monsieur Kumba Brice. Ah oui, Kumba Brice. Le parrain. Bien habillé, un jour. Voilà. Merci, merci. Félicitations. Merci. Ouais. Je passe la parole à... pour ce grand jour d'accompagner mon ami de longue date, le Bois du Désert. J'ai trouvé que c'était agréable de l'accompagner avec une semi-montante vers Ruchi, c'est pas beau ça? Oui, c'est beau. Mais ben voilà, il faut filmer ça. Une semi-montante vers Ruchi. La vie est belle. Et vous sortez d'où comme ça là? Vous êtes... Ah, moi je suis à côté, à Angerville. Oui. Un petit mot ici, il y en a. Non, mais je suis fier de voir. Vous voyez quoi? Le couple. Ah, ok. Je pourrais s'abonner. Merci. Cher frère, nous en mariage de Roche Bandila, un ami d'enfance. Voilà, on est venu l'assister. On a voulu faire les choses proprement parce qu'il y a le confinement, la crise sanitaire, donc du coup, on n'était pas obligé, pour respecter les gestes barrières, d'appeler tout le monde. Quoi. Je parle à la place de Ange. Désolé pour les amis qu'on n'a pas conviés. On remettra ça prochainement. On va essayer de faire ça très très correctement. Voilà. Bon anniversaire à madame, Patimobali. À l'occasion du mariage d'Herman, et on vous souhaite le meilleur pour le couple Bandila, Anne-Laure et Ange. Bisous à vous, big up, big up. Tu veux pas dire un mot là? Heureux mariage au couple Bandila, on est là, comme vous le constatez, on est là. La famille au complet, quoi. Les amis, c'est important. On est là. Voilà. Heureux mariage. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis voilà. Bisous à tout le monde. Nous, on est là. Ça fête. Malgré le temps, il n'est pas comme on veut. Mais bon, ça va aller. La délégation du Paris, Bruce Kumba, Patrick de Bali, le frère, monsieur Bakwa. Ange, Bigato Rico. Me hice la realidad, la salud me dijo.
Alors. Tu vois ? Ah ouais. Ben, en tout cas, un grand merci pour l'invitation de Ponge, qui est notre frère. Ah bon ? Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. On est dans la joie. Vous souhaitez tout le bonheur du monde. Exactement. Voilà, ouais. Et puis elle est tombée sur une bonne femme. Voilà, ouais. Donc Anne-Laure, en tout cas, prends soin de Ange et que Ange prenne soin de toi aussi. Donc on vous souhaite tout le meilleur, tout du, le monde. Meilleur du monde. Et puis voilà quoi. Voilà. Que Dieu vous accompagne et puis on est avec vous. Oui, mais là je constate que vous venez d'arriver. Pourquoi ? On était déjà là, donc on est parti d'ici hier soir très tard. Ah oui, je vois. Très très tard, je suis revenu vers 8h du matin. Le temps de repartir sur Orléans, parce qu'on habite à Orléans. Le temps de repartir sur Orléans, faire d'autres courses. Et donc du coup, voilà pourquoi on est arrivé un peu en retard. Voilà. Mais sinon, tout de suite, on s'est mis dans le bain. Quoi. Dans le bain, on est ensemble. Donc voilà. Moi, je suis sa femme et là, ce sont des amis. Donc voilà, c'est la famille. Oh, je le connais depuis tout petit. Voilà. Ah oui. Donc, le premier voyage qu'on a fait, c'était Brazzaville Pointe-Noire. Moi, j'avais 9 ans, il avait 7 ans. On nous a mis dans l'INA Congo. Et nous, oui, l'INA Congo à l'époque. Voilà, ouais, à l'époque. Voilà. Parce que son père travaillait à l'INA Congo. Ouais. Donc, on se connaît depuis tout petit jusqu'aujourd'hui. Voilà. Bon, que de bonnes choses pour Monsieur Ange, comme je l'appelle très souvent. C'est son jour aujourd'hui. Félicitations, le couple. Que du bonheur. Simplement. Oui, une photo. Hein. Non, c'est pas la même qui est tu. Voilà le problème. C'est pas la même qui est tu. Vas mon niveau. C'est vous casser, casser. C'est beau, mon frère. Aïe, la France, il y a ma France. Tu as toujours été belle. Tu as au moins ça pour toi. Tu étais naturelle. Je te préférais comme ça. J'ai ôté tes guenilles. T'ai mis tes vêtements de choix. Car à mes yeux tu brillais. Je voulais que tout le monde le voit. En un claquement de doigts le monde a changé. Ne parlant que de toi. Dès que les enchères se sont mises à grimper, je ne faisais plus le poids. Je suis Biri. Brice Manazoué. Donc vraiment je souhaite tout le bonheur au couple Bandila. Inimbuto. Franchement, Inimbuto quoi. Ils vivent en France. Oh je te bon, félicitations mon frère. Bonne carrière. Bon, félicitations mon frère. Le premier white de Waïta. Mais déjà commencé là et on est là jusqu'à quelle heure? On est là jusqu'à X heures, on ne sait même pas l'heure à laquelle on va partir d'ici. On est bien ici, on n'est pas pressé de rentrer, hein. C'est le mariage, c'est. Voilà.
autonome. Thank you.
facile d'organiser un mariage? On l'a fait tout seul, à deux. On l'a fait tout seul, oui. Oui, dites-moi, c'est facile tout. On l'a fait tout seul. C'est pas facile, mais quand on est motivé à vouloir s'unir, il n'y a pas de souci. Ouais. On trouve la force. Après, on a les familles aussi qui nous ont aidés quand même. Ils sont aidés, ils sont... ils sont dans... Je sais pas comment on appelle ça. Dites-moi un peu s'il vous plaît, à quel moment faut-il prendre une décision? C'est-à-dire pour se marier, ben écoutez, bon, on va se marier. Non, là, ça se passe comment? Ça se passe n'importe comment. Pardon? C'est un ressenti. C'est un ressenti, ça, exactement. C'est, bah, chacun de nous, dans son profond, il a son caractère. Mais quand il s'agit de vivre avec les gens, quand il s'agit de cohabiter avec une femme, il faut s'adapter. Chacun doit faire des efforts. Ton profond doit s'adapter à l'autre. Parce que si on reste sur ses positions, si on reste nous-mêmes, ça marche pas. On ne peut pas cohabiter. Impossible. On n'est pas pareil, moi j'ai un caractère, moi je suis en juin, et là en juin on a presque les mêmes caractères. Mais c'est pas pareil. Dites-moi, comment est-ce que vous voulez être rencontré? La première rencontre. J'ai mis des billets de sainte, non. Le premier par après le chamaille, après le lendemain matin, on se comprend. Mm-hmm. Et les jumeaux, moi aussi je suis jumeau. Ouais. Des caractères, on est des caméléons. Il n'y a pas de conditions pour être bon. Aujourd'hui moi je suis heureux. Bon, vous êtes dans un beau milieu ici, hein? Ah? Le milieu est bon, il est beau ici, hein? Ouais, c'est très beau. On a des boulettes qui arrivent chaque matin, ouais. Chaque soir pour... Comment on les appelle? Les hérissons. On a des hérissons qui arrivent chez nous. On a adopté des hérissons. Voilà, c'est 500 mètres carrés, et on s'y plaint pas. Les chats, les chiens. On a les chats, on a des poules. On n'achète pas les œufs. Un dernier mot? Si, y en a. Un grand merci à toutes nos familles pour ouais, l'aide, tous les amis, monde. Tout le monde. Et longue vie, vas-y, je suis venu aussi. Non, moi je suis réaliste, hein. Je dis ce que je ressens, mon frère. Moi je n'invente rien. Donc il y a un certain âge, on devient mature par rapport à son vécu. Mm-hmm. Ce n'est pas les conseils qu'il dit. Je ne peux pas faire le saut là, tu vois. Ce sont les conséquences. Mais je suis jeune, hein, je suis un beau garçon, ma famille est très belle. Et quand moi je drague un peu partout. Oui, ça c'est vrai, vous faites un beau coup dans votre elle aussi, c'est réciproque, hein. Ça s'y fait pas. Vous êtes jaloux? Non, ça dépend comment tu prends ce mot jaloux. Après, c'est une question. Parce que le mot jaloux, il y a beaucoup de précisions. La mariée, vous êtes jalouse? Êtes-vous jalouse? Non, je suis pas jalouse, j'ai confiance. Non, voilà. Elle est très jalouse. Non. Quand je rentre tard, elle change de vie. Elle est très jalouse. C'est pas une question de jalousie. Mais il a pas de. Il nous répond général. C'est quoi la jalousie? Moi je te dis que je suis pas jalouse. Mais de le profond, quand elle dit quoi? De quoi? Mais elle est très jalouse. Vous avez un plat préféré? Non, parce que spécialement je mange tout. Et le marié? Le mouton. Le mouton? Ouais. Encore le mouton. Ouais. L'intérieur du mouton, quoi. L'intérieur. Ouais, ouais. Et boyaux et tout ça. Mais je l'aime, ma femme. Oui, je vois. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est très gentil. On va s'arrêter là. Moi, est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, ce que je ressens, c'est que je garde ça.